tout le monde, la créature de Chabeuil. Et après, je vous balance une autre vidéo. La dernière vidéo que j'ai pas balancée, le portail de Jupiter. Nous serons toujours là, de Elena Danan. Je crois que c'est une des dernières vidéos que j'ai faites de ce livre. Alors si c'est pas balancé après celle-là, ça sera balancé demain, mardi soir. C'est pas grave. Au pire. Là, je vous balance la créature de Chabeuil. C'est pas très long, mais c'est très intéressant. En plus, c'était la grande vague de 54 en France. C'est pour ça que je remettrai ce lien de ce livre-là aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cet auteur-là? Non, je ne pense pas. Et pourtant, le mec, il fait un travail extraordinaire. Je pense même qu'il a fait qu'un livre. J'ai pas dû en voir un autre. Julia Gonzalez est sorti au moins pratiquement 10 ans. Il y a énormément de trucs d'apparition. Ouais, 2014, ouais, le temps présent. Julien Gonzalez, le dossier des rencontres du 13e type en France. De France, des iphonautes. Peut-être que je reviendrai sur ce livre-là, parce qu'il y a même des histoires, ça commence en 1812. Bien avant. Il y a même une histoire là où j'habite. Ouais, là où j'habite, hein, dans le Nord, je vais pas dire où. Ouais, ouais. Une très vieille, hein, je sais plus quelle. Au moins 80, 70 ans, je sais plus. Ah bah, on s'approche. Ah bah voilà, c'est celle-là, mais je vais pas dire laquelle. En 1921, voilà, c'est là où j'habite en plus, c'est un truc de fou, mais pas vraiment, c'est entre eux, un truc de fou. Voilà. 1921, il y a plus de 100 ans, voilà, et ça c'est un livre extraordinaire, personne ne le connaît, je suis sûr, j'ai peut-être déjà montré, j'ai peut-être déjà fait des vues, peut-être j'en reviendrai sur ce livre-là, et c'est quand même, avec ses 360 cas de rencontres du troisième type, 331 en France et 29 en Belgique, répertorié et passé au crible, cet ouvrage se présente comme le seul document historique sur les ufonautes paru en France à ce jour. Et je vous signale que celui-là, il a été fait avant celui-là, hein. Ça c'est 2014, hein. Enfin, bon, je vais passer inaperçu, hein. Pour moi, c'est une tuerie aussi, il y a plein de races extraterrestres, il y a de tout, il y a... Je peux montrer quelques images si j'en ai, hein. Ça commence bien. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre-là. Voilà. Je pense que je vais revenir sur ce livre-là. Qui est tout le document d'époque. C'est vachement intéressant. J'adore. Après, il n'y a pas forcément des illustrations d'images, mais. Mais il y a du très lourd. Et là, franchement. Voilà. C'est un livre à posséder, mais je suis sûr qu'il y en a tout plein qui connaissent même pas cet auteur-là. Moi, je le connais, hein, ça fait déjà enfin, bonhomme Michel ici. Voilà. Et ça va jusque bah, 2812. Voilà, on a 74, 1987, 94, 54. Je pense que voilà, c'est de 1980 à 2011. Oui. Voilà. Et ce livre-là, il est sorti avant, hein, les apparitions mondiales du monoïde. Hein, comme quoi, voilà. Et je pense que c'est le seul livre qu'il a fait, ce mec-là. C'est un truc de fou. J'ai pas vu d'autres sur Amazon. Il n'a fait qu'un. Je sais même pas d'où il vient, ce. Voilà, Julien Gonzalez. Il a fait du très bon boulot aussi. Hein. Des très grandes recherches. Pour moi, c'est un très grand aussi. C'est dommage qu'il a fait qu'un livre. Enfin, c'est surtout dommage qu'on n'en parle pas, quoi. Je trouve que c'est un livre extraordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de sources ufologiques. Des trucs incroyables, magnifiques. Voilà, j'en reviendrai peut-être sur ce livre-là. Alors 1954, c'est ça aussi, ces deux tomes-là. Peut-être qu'il y aura un troisième tome, hein. Je pense. Il y aura sûrement un troisième tome, voire quatrième, parce que ce que vu la gueule, à mon avis, ils n'auront pas fini. Bon, ça reprend tous les trucs qu'on connaît déjà, mais celui-là, franchement, essentiellement celui-là. Ça, c'est une tuerie, hein. Franchement, j'en mettrai le lien à la fin, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Et ben voilà. Comme quoi, voilà. Logiquement, il est encore sur Amazon, je pense. Logiquement. Bon, ouais, comme quoi, c'était avant Eric Zercher, hein, ce genre de livre-là. Hein, comme quoi, je suis pas là pour critiquer, mais bon, ça me fait toujours rire. Par moment, on dit, ouais, Eric Zercher, bah oui, mais il y en a qui ont écrit avant. Hein. Et c'était déjà très très bon, celui-là. Très très bon. Il y a plein de trucs que je connaissais pas, même un qui se passe là où j'habite. Je vais pas dire où. En 1921, un petit enfant de 8 ans, je sais plus quoi. Il a vu un truc incroyable. Il y a plus de 100 ans. Ouais. Enfin, vers où j'habite, c'est à côté, c'est entre, c'est plus ou moins 5-10 km d'ici, on va dire 5 km peut-être, tu vois. Les apparitions mondiales du humanoïde Eric Zercher. Alors, ce livre était entendu depuis des années, traitant essentiellement des humanoïdes observés à proximité des objets volants non identifiés OVNI. Il est appelé à devenir le livre de référence en la matière.
Bah, celui avant aussi. Hein, bon. L'auteur s'intéresse à ce sujet particulier depuis plusieurs décennies. On est considéré comme un de ses meilleurs connaisseurs. Après une première partie consacrée à présenter le problème dans son contexte historique, le cœur du livre expose, on pourrait dire même explose, hein, sur le coup, expose plus d'une centaine de témoignages issus de toute la planète. Ils sont répartis, oui, parce que là, on parle que de la France, je crois, dans ce livre-là. La France et Belgique derrière, mais quand même. De 1944 à nos jours. Là, ça commence en 1812, un livre derrière. Tout comme ça, bon. Tous sont brièvement commentés et accompagnés de nombreuses illustrations. La dernière partie est sans doute la plus étonnante dans la mesure où Eric Zurcher ne présente aucun modèle ou aucune hypothèse personnelle. Son analyse ne suit qu'un seul fil directeur. Existe-t-il dans cette manne informationnelle des aspects récurrents? Si oui, il pourrait indiquer certaines pistes, des directions permettant de s'abstraire à minima des cadres conceptuels classiques et de l'effet anthropocentrique. De ce point de vue, cet ouvrage est d'abord une mise en forme de ce qui remonte du terrain et des conséquences qui en découlent. Nous découvrirons que la multitude des témoignages pointe une histoire assez différente que celle qui est courue habituellement. Le lecteur intéressé trouvera finalement de nombreuses réponses dans ce livre, des perspectives parfois stupéfiantes ou simplement effleurées du bout des doigts sur un sujet qui défie les lois de la raison. Par contre, sa couverture, elle est, c'est une petite tache, je sais pas quoi, elle est très très intéressante aussi, j'adore. Parce que c'est le même, hein. En fait, ça a été pondu ça en 2018, ça a été pondu 2018 ou 19, 2018, ça c'est pour 2024, c'est pratiquement. Le même, hein, moi je pensais pas, je pensais que c'était un nouveau, je m'en souviens même plus d'ailleurs que il y a juste on a changé la pochette et puis ça cartonne bien. Hein. Mais comme quoi, ça c'est 2014, France-Belgique, il est énorme aussi, c'est une tuerie, même des témoignages que je ne trouve même pas qui sont dedans, aucun lien, donc un truc de fou. Allez, je vais vous lire la page, alors c'est, je pense que c'est les années 60. Je pense que c'est les années 60, c'est page 60 ou 61, je pense. Et ça doit 106 référencement de RR3. Bah oui, bah c'est RR3 derrière aussi. Hein. Rencontre rapprochée du troisième type. Hein. Comme le grand film de Spielberg. Hein. De 1944-2015. Et là, c'est de jusque 2011 derrière. Oui, parce que comme il est 2014, je le dis forcément. Et ça commence même en 1820 quelque chose. Alors, ouais, en plus. 1944-1954. Alors je mettrai cette période-là. 1944. La voiture volante. Été 1944. Ah ouais, c'est très court aussi ça, mais je vais pas la mettre. Ah ça aussi, c'est bien une arme secrète, c'est pas mal non plus. Été 1944. Les anges du soir, mais c'est pas ça que je vais vous lire moi. Les collecteurs d'herbes. Ouais. Ah oui, enfin fascinant aussi sur été 48 en Allemagne. Putain, le truc est carrément posé, je peux pas commencer à faire tout faire. Ouais. Ils sont plusieurs autour, ils s'installent, le paysan il regarde comme ça avec son chien. Tout va bien, ils font des collectes d'herbes. Une véritable petite entreprise, je sais pas quoi, ils sont là, tout va bien. C'est un truc de fou. Bon. Les réparateurs du ciel, oui ça c'est fascinant aussi. L'œuf volant, mais moi je vais vous lire les mineurs de l'espace. Voilà, moi c'est la créature de Chabeuil. Allez, c'est parti. Autant commencer tout de suite. Alors, la créature de Chabeuil. Alors, 26 septembre 1954, c'est pour ça que je remettrai les liens de ce livre-là, et suite derrière. Chabeuil, Drôme, France, 14h30, un témoin de femme, plus trace, adjacente, plus trace. Le témoin était occupé à ramasser des murs dans un chemin creux sur un petit plateau en forme de trapèze, dont deux côtés surplombaient le cimetière où elle s'était rendue un peu avant pour fleurir le caveau familial. Elle appela sa chienne, un cocker noir qui vadrouillait à proximité. Mais quand la chienne arriva, elle parut pétrifiée et commença à hurler à la mort ainsi que tous les chiens du voisinage. En levant la tête, elle vit sortir des épis de maïs à seulement 2,50 m d'elle, ce qui est juste à côté, hein, 2,50 m, c'est un petit être de 1,10 m qui semblait enveloppé dans un scaphandre transparent des pieds à la tête. Cette entité portait un casque en forme de cloche, mais son visage n'était pas visible à cause de la visière qui était comme brouillée. Le témoin a eu néanmoins l'impression de voir des yeux qui la fixaient. Ses bras n'étaient pas apparents. J'ai hurlé, je me suis caché dans la haie terrorisée.
Le témoin eut le temps de voir l'être approcher d'elle en sautillant et en se dandinant, mais il ne la rejoignit finalement pas. Quelques minutes plus tard, du champ qui se trouvait derrière le carré de maïs s'éleva lentement et à l'horizontale un engin ressemblant à une grosse toupie mécanique d'enfant. Voilà, on dirait même une poire coupée en deux, je vous montrerai après. C'est 1954, vous imaginez. Ça a dû être une sacrée vague, hein. Mon Dieu, j'aurais bien voulu la connaître, ça. Quand même. Ça va être impressionnant. Avec un dessous plat d'environ 4 mètres de diamètre, cet appareil avait un aspect métallique gris et terne, et le témoin ne discerna ni lumière ni hublot. L'objet disparut en direction du nord-est à une vitesse incroyable et en émettant un sifflement bizarre. Ouais, comme quoi, souvent, tu as quand même des trucs où ils ont des sortes de sifflements, mais des fois, c'est le silence absolu. Les personnes présentes au cimetière entendirent parfaitement la chienne et le bruit fait par l'appareil. Mon mari, qui se trouvait également au cimetière, a bien aperçu le sifflement, et lui, qui travaillait dans l'aviation, a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un avion à réaction. Les agriculteurs se rendirent sur les lieux, et au vu de l'état de Madame Leboeuf, ils comprirent que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Ils la trouvèrent dans les buissons, paralysée et rendue muette par la frayeur, puis l'amenèrent à une ferme voisine et lui servirent de l'eau de vie. Par la suite, le témoin resta 2 jours couché avec de la fièvre et sa chienne Dolly n'allait guère mieux. Elle devait plus tard déclarer que l'image des yeux de la créature restait gravée en elle, des yeux étonnamment humains, fixes, brillants, expressifs et intelligents. On pourrait même penser à une sorte de diablotin. Je pense aux vidéos de David Garcia, Paranormal 24, sauf que là, c'est pas du tout... Bon, ça se rejoint, hein. Il se camoufle avec ça, hein. Il y a beaucoup de vidéos... Même dans le poltergeist, hein, souvent il s'amuse avec ça. Hein. Mais ça pourrait faire pour ça un diablotin, mais c'est pas un diablotin, hein, c'est un extraterrestre. Hein. Le temps était gris et la pluie était tombée 1 heure avant. Des traces furent donc trouvées sur les lieux d'atterrissage. 7 pieds de maïs étaient couchés, dont une forme circulaire et un trou de 15 cm fut repéré près de la périphérie de ce cercle. Et une branche de robinier de 8 cm était cassée sous l'action d'une force exercée de bas en haut. De nombreux abrisseaux étaient tassés, cassés ou pliés. Certaines personnes auraient même repéré des empreintes de pas, comme celle d'un gros chien, mais avec un talon étroit. Après, il y a le commentaire. C'est court, mais c'est pas fini. Voilà. Chabeuil. Voilà, 1954, septembre, 26, voilà ce qu'elle a vu. Alors, après, c'est toujours pareil, l'extension du dessin, faut imaginer le truc. On dirait plutôt une poire coupée en deux, hein, une toupie, ouais. Un être 1m10, qui est fixé. Ah, mais ça a dû être un truc... Alors, vous imaginez, parce que les gens, ils s'imaginent toujours les soucoupes. Non, c'est jamais la même forme, regardez. C'est toujours différent, c'est jamais la même forme, ce qui est faux. On dit toujours deux soucoupes comme deux assiettes ou des ovnis triangles ou en forme de cigare, mes préférés, mais non, il n'y a pas que ça. Voilà, c'est monumental. Hein, voilà, faut imaginer le truc. Hein. Alors, j'en ferai les photos propres, hein, évidemment. Alors, commentaire. Bon, commentaire. Enfin, moi, je trouve ça. Franchement, son lit est fascinant aussi. Hein, mais bon, comme quoi, derrière, il y a toujours des trucs. J'en ai tellement acheté, j'ai pas tout, hein, mais je sais qu'il y a souvent des livres qui sont faits avant, que des auteurs qu'on connaît pratiquement pas, parce que je connais pas ce mec-là, derrière Julien Gonzalez. Il n'y en a fait qu'un, apparemment. Et puis ouais, c'est un sacré truc parce que c'est le seul livre historique, je sais plus quoi, hein, en plus. Donc c'est quand même du très lourd aussi. Hein, bon. Commentaire, ce cas a été jugé suffisamment important par Jacques Vallée pour qu'il ne commente dans un livre. Lors d'une contre-enquête effectuée en 1974 par Monsieur Figuet et J.L. Ruchon, le témoin... 74, imaginez, 74, 54, 20 ans après. Hein. Le témoin a dessiné l'objet aperçu mais refusa de révéler certains détails, précisant que les Scandinaves... Des individus grands et blonds lui avaient demandé en 1954 de ne pas divulguer certains points. Grands et blonds, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Qu'est-ce que c'est que ça? On se demande, ouais.
je pense que sûrement des... c'est possible. Ce n'est pas la première fois qu'une contre-enquête met à jour des circonstances de ce genre, d'où l'intérêt de suivre les témoins régulièrement. Mais sûrement des êtres extraterrestres de type nordique, ils ont pas voulu que voilà. Cette confidence renvoie inévitablement à une dimension connexe et trop sous-estimée de l'ufologie, l'action post-événementielle, des mystérieux hommes en noir mini black, aujourd'hui popularisés de façon grotesque par Hollywood. Ces individus à l'habillement et aux manières décalées font généralement éruption seuls ou par deux. Mernin Black, oui. Bah, de toute façon, les Men in Black, c'est associé à l'ufologie, ça c'est sûr et certain. Rien à voir avec les films. Ces deux êtres qui sont extraterrestres, point barre. Voilà, c'est... Oui, parce que dans le film, c'est deux humains, donc c'est différent. Chez les témoins, peu de temps après l'observation, ils font pression pour qu'ils se taisent ou omettent certains aspects du témoignage. Ils tentent également de récupérer les éléments de preuve matérielle, quand on y en a. Ces individus se présentent comme des agents de l'État, ce qu'ils ne sont nullement. Leur comportement frise parfois le ridicule, exactement comme le phénomène OVNI quand il entreprend de mimer des objets dans ses représentations. Mais il n'hésite pas à manipuler ou menacer les témoins. Cet épisode, cependant rare, sont certainement les plus étranges et inexplicables dans le dossier des OVNI. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'ufologues les rejettent ou les classent dans une catégorie connexe. Le cas de Chabeuil reste un des meilleurs témoignages de la vague de 1954. Comme quoi. Par la découverte de témoins adjacents, oui, ayant vu l'engin en vol, figué, ruchon, et par les traces laissées au sol, en plus. Certains ont parlé d'un cas précurseur, oui j'ai pensé aussi, précurseur des crop circles, exactement. À cause de l'aspect du maïs écrasé de manière rayonnante sur une circonférence de 3 mètres de diamètre. Mais bon, il était pas là pour faire un crop circle. De toute façon, ceux qui font des crop circles, c'est plutôt des types pléadiens ou arcturiens ou andromédiens. Je sais plus lesquels, je crois que c'est plus pléadien. C'est Umberto Minaro qui dit ça, donc... C'est pas les mêmes races, non, c'est encore autre chose. Il existe une photo des trois races réalisée par un journaliste, mais elle n'est pas de bonne qualité. On la trouvera dans le dossier des RR3. C'est vraiment un coup de hasard, je m'en souvenais même plus. Française de Julien Gonzalez. Donc il en parle. Donc, je suis bien content qu'il en parle. Vous voyez comme quoi j'aurais dû me taire. Ainsi que sur le site de l'ufologue P. Gros, les ovnis vus de près. Un truc de fou, hein. J'ai pris au hasard ce livre-là, j'ai pris cette histoire-là, je voulais plus. Je pensais plus qu'à la fin il allait parler de ça. Les dossiers des RR3 françaises de Julien Gonzalez. Voilà, c'est marqué juste à la fin. Voilà, Julien Gonzalez. Un truc de fou. Bon, voilà, encore un tour. Mais moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Je fais pas exprès. Hein. C'est un truc de fou. Bon. Donc, c'est pour ça que ce livre-là, c'est des livres possédés. Hein. Tout ce qui est apparition, tout ça. Voilà, c'est pas plus qu'apparition d'ailleurs. Il les voit carrément. Hein. C'est pas que des ovnis. Là, c'est encore mieux. Hein. C'est encore au-dessus. Puis il voit comment ils sont, tout ça. Bon, comme quoi, voilà, truc de fou. Bon, allez, je coupe là. C'est très court. Bon, ça aussi, c'est bien ça. L'ISETA spatiale de Tripoli. Ça, c'était en Italie, ça. Ah non, Libye. Libye. Voilà. Les nympharseurs de Toscane, où ça, je l'avais fait, ça. Ouais. Après, c'est des périodes de 57. Attrape-moi si tu peux. Oh, la croisière s'amuse. La femme qui court après un ovni. Oui. Remonte compte dans la province de Cordoba, le chasseur chassé. L'entité d'Algeziras. Mais des fois, t'as juste des histoires sans les. Voilà. Après, des fois, c'est très très court. Les hippies de Lago Negra. Le djinn de l'Atlas. D'étranges parachutistes. Voilà, ça, c'est pas mal non plus. Ça, c'est puisqu'ils ont l'air tellement bizarres. Les rois mages de l'Epiphanie. Etc. Allez, je coupe là. De toute façon, j'essaierai de mettre une autre vidéo après celle-là. La créature de Chabeuil, c'est fascinant. Voilà. Voilà, j'en ferai les photos, tout au propre. J'en mettrai des liens de ces livres derrière. Voilà. Ah bah, je suis content qu'il parle de Julien Gonzalez parce que je s'y connais pas. Bon, il y a quand même allé comme quoi. Voilà, comme quoi, c'est un très bon complément avec ce livre-là. Plus OVNI 54, les deux livres que je vous ai montrés. Bon, c'est autre chose, mais là c'est que 54. Allez, je coupe là. Merci, à bientôt. Je vais essayer de poster l'autre vidéo. Le portail de Jupiter, nous serons toujours là. Le livre que j'adore, Elena Danan. Là, j'aimerais bien un jour que son dernier livre qui sort avec les races, là, différentes races, comment elles sont décrites, tout ça, ça c'est un truc qui m'intéresse. Bah ouais, ça fait un peu comme là, ce livre-là, hein, c'est pareil, elles sont décrites. Bon. Parce que là, ça va encore plus loin, c'est des races. Bon. Celui de Elena, parce que ça, je suis curieux de savoir. Je voudrais savoir, pour l'instant, c'est que t'es en anglais. J'attends toujours que ce soit en français, parce qu'en anglais, je suis
Oh, des pâquerettes, je connais quelques mots, ça s'arrête là. J'ai arrêté à 15 ans l'école, après, à peine. Je sais, j'ai jamais appris pratiquement l'anglais, je sais pas ce que c'est. Donc, oui, je connais quelques mots, c'est tout, quelques trucs, quelques phrases, mais ça s'arrête là. Après, je voudrais qu'il soit traduit en français, je voudrais qu'il soit traduit en français, ça serait très intéressant. Mais quand? Voilà, c'est toujours pareil. Voilà, la créature de Chabeuil, magnifique. Allez, je coupe là. J'en reviendrai, Marc Bettemont, tout ça évidemment, tous les livres, beaucoup de livres. La clinique des abductions, j'en reviendrai aussi, ça c'est magnifique. Enfin, plein de livres explosifs. J'attends aussi le tome 7 et 8 de Alain Moreau, mais c'était repoussé. Du très lourd aussi, lui. 7 et 8 en plus. Alain Moreau, pareil, Moreau. Pas l'île du docteur Moreau, hein, c'est autre chose. Alain Moreau. Il y a plusieurs tomes, j'ai tous ces tomes, j'ai le 7 et 8, mais le 7 était repoussé, le 8 je sais pas quoi il sort. Truc de fou. Il commence doucement. Toutes ces couvertures sont pareilles, à l'amour de ces livres, elles sont toutes pareilles. Sauf qu'il y a juste le dessus ou le dessous, je sais plus, les couleurs changent. Du violet, après c'est du bleu, après c'est du orange, jaune. Sinon c'est toujours la même couverture, on voit un ovni avec une pyramide derrière. Mais enfin, en tout cas, ces livres, ils sont. Il va y avoir 8 tomes en tout. Je les attends parce que c'est repoussé encore. J'espère qu'il y en a encore des autres parce que au début ça commence doucement. Puis ça, après au deux, tome 2, tome 3, c'est de pire en pire. Hein, jusqu'à aller jusque sur des autres planètes, enfin bref, tous les trucs. Au début c'est plutôt des observations, des trucs très intéressants, mais c'est pas voilà. Au tome 2, c'est de pire en pire. Et puis, Alain Moreau, de toute façon, vous le trouvez sur. Il y a plusieurs tomes, il y a 8 tomes en tout, mais le 7 et 8 il n'est pas encore sorti. Les 6 premiers tomes, vous pouvez le trouver, mais acheter les 6 d'un coup, ça fait mal. Hein. Ouais, là, je peux comprendre. Sur Amazon, ou sur Amazon, de toute façon, normalement, je vais dessus. Donc, oui, bah, ça va. Il est bien nourri, Amazon, ça c'est sûr. Combien de fois j'ai acheté dessus, plein de trucs, mais bon, ça va. La créature de Chamoy. Allez, je coupe là. Et puis, l'autre vidéo, si c'est pas après celle-là, ça sera demain soir, mardi soir. Avec Elena, non, nous serons toujours là. Merci, à plus.